normalement ça se lance. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, vous me verrez un peu dans la pénombre, voilà, c'est la luminosité naturelle, j'ai pas voulu mettre la lumière artificielle, mince, on est encore en été. Et puis il est déjà 9 h passées là, donc bon. Bah, cool. On continue avec l'Afrique, j'ai une folle envie de continuer Far Cry, je suis dans une crise Far Cry-esque. Je continue mes aventures fofolles. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je me réjouis à l'idée d'avoir ma journée de pour faire mes muses. Ça fait plaisir. Avec mince, attendez, je fais des bêtises. Avec un agenda professionnel. Je suis censé faire pour presque tout vous dire une formation et en fait ça va être décalé d'une semaine parce que le directeur de l'établissement doit subir une opération urgemment. Enfin bref. Aïe 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 aïe. Donc du coup là, hier je me suis creusé la tête à réorganiser mon agenda pour on va dire le mois à suivre jusqu'à la mi-septembre. Et encore, tout n'est loin de pas être clair. Enfin bon bref, on est là pour s'étendre. On est là pour s'étendre et ça commence très très violemment. Très très violemment. Et la question que je vous pose, c'est j'ai combien de barres de vie? Ah oui, je suis quasiment mort. Donc une balle me zigouille. Ok. Il m'a tué quand même. Putain, c'est fou ça. Ça commence très très violemment. Hein. C'est. Waouh! À tel point que je vais prendre une sauvegarde un peu derrière. Parce que je vais pas m'en sortir. Là, je saurais d'où vient l'attaque. En théorie. En théorie. Ils veulent en découdre, hein. La vache. À la vitesse à laquelle ils me foncent dessus. Ils veulent me faire la peau. Ça. Bonjour Fun Fan, oui t'en fais pas. Message de Fun Fan à Tenascac 92. Je vais pas rester très longtemps puisque j'ai un rendez-vous et le soir je vais partir un peu avant 21 h. Alors là, c'est un mec québécois qui m'ont mis aujourd'hui. C'est bien, j'ai un mode voie aléatoire. C'est bon, pourquoi pas? Putain, mais c'est fou ça! Oh, les enragés! Ils foncent sur moi, mais en mode furie. Oui, il a des QV. Il est plus bourré, c'est ça. Non, mais regardez-moi ces enragés qui me. J'arrive pas à me défendre. Ou alors, faut que je descende du véhicule et que je l'attende au lance-flammes? Non. Je suis prêt à le croire, mais la vache. J'ai quoi? Ouais, le lance-flammes.
facile, mec. C'est tellement étrange. Bon, moi je sais pas, ils ont disparu. C'est bizarre ce mouvement. Bizarre, c'est du coup il y a un énorme moment de flottement avec moi parce que écoutez bien, une opportunité de cible est devenue disponible. Continuez jusqu'à l'objectif marqué sur votre carte, éliminez la cible. Le salaire habituel en diamant brut sera versé sur votre compte lorsque ce sera fait. Chiant, mec. Oh non, on ne parle plus. La cible elle est où? Eh ben, elle est pour la porte d'à côté. Très presque que j'y aille en bus, mais bon, comme il y a des diamants à choper. Jamais fait cette route là, je sais pas. Et bah alors le zèbre tranquille. Et le capi, je sais plus. Au moins il profite de la fraîcheur. C'est quoi que je vois là-bas? Alors je vois des animaux, mais je vois pas de mec. Il aurait été effrayé, lui. Bizarre. Oh, c'est un chien.
bien pour finir. Mais ils étaient bien planqués parce que je les voyais pas depuis mon... Voilà, il faut que je monte sur mon véhicule. Peut-être. J'aurai une meilleure vue pour les sniper. Ah oui. Je ne sais pas tirer, c'est merveilleux. Enfin, viser du moins. Et puis j'ai plus de balles. Oh. Enfin, 3, mais autant dire que je n'en ai plus. Ouais, non, vous savez quoi, je vais la refaire. Parce que là, j'ai honte. J'ai honte de ce que j'ai fait. C'est nullissime. C'est nullissime. Voilà, lui je l'ai eu. Ah merde, il ne reste plus qu'une balle. J'en ai touché forcément, hein. À tout à l'heure. Bonne matinée à toi, fun fan. Message de fun fan 992. Je pars, je laisse mon lurk. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah! Mince, je me suis fait abattre et puis j'ai la malaria qui me bouffait. L'horreur. L'horreur absolue. Ouf, ils déplacent les tonneaux d'eux-mêmes. C'est vachement bien fait, hein, l'effet de trouble. C'est vachement bien fait. Je sais pas, est-ce que je m'approche?
Ah. On continue de courir comme des dératés. Oh, la pluie aurait-elle cessé? Ah, l'averse est passée. Ah, c'est un animal. Il y avait un mec là-bas. Attends, je vais y aller tout doux. Évidemment, ça a donné une info, j'effraie les animaux. J'ai plus de grenades, j'ai plus rien. Oh merde. Je voulais faire usage d'un projectile et je peux même pas. Oh ça craint. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Bah on finirait par croire qu'ils ont abandonné le camp. Ah, il y a le mec qui est là. Alors, c'est un assaut étrange, hein. Il y veut. Il est mort de trouille. Bizarre. Bon bref. Donc l'avantage d'ici c'est que j'ai retrouvé des projectiles. Et visiblement ils ont pas d'autres matos. Oh merde, il y a du monde. J'ai entendu comme une bagnole passer. Ah, c'est un animal. Je crois que c'est un mercenaire. Ah! Il y a de la fumée, qu'est-ce qui se passe là-bas?
Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est la frontière, ça. Avec le plein désert. Bébé. Vache. Les mallettes à la frontière. Mallettes de diamant. Des jolis petits cailloux. Tiens, cadeau. Ah merde, moi aussi. Cette cruauté. Bonjour la Jed. Allons-y. Eh ben, bonne matinée à toi, merci de d'être là la Jed. Je suis pas très bon ce matin, j'avoue. L'Afrique ne réussit pas aujourd'hui. Qui mettent le drapin dessus. Enfin, j'aimerais escalader mon véhicule. Merci. En même temps, la route. Même en grappant sur le véhicule, je vois pas grand chose. Merde.
Un coup, une attaque, et puis l'autre fois, il me lâche. C'est alternatif, c'est fou. Était là-bas. Ah oui. Putain, je sais pas si je l'ai eu. De toute façon, j'ai tiré comme un clampin dans le décor et pas sur ma cible. J'ai honte, j'ai honte. C'est rigolo. Merde, j'ai loupé. Joli. Alors, ils s'en sortent ou pas? Allez, viens. Petit cadeau pour toi. El cadeau de la muerte. Ah, si le gars survit à ça, il est très fort. Même un Terminator, à mon avis, un T-800, il y passe. Ah bah, il est là. Niaf, niaf, niaf. Ah, bah bien, l'eau sera désinfectée. Vu la température. Ah oui, il est pas prêt de revenir à la vie. Bon, est-ce qu'il avait des munitions sur lui? Pas l'impression. Oh merde. Ça serait quoi? Ah oui, ma lunette contre. Ouais. Ah, je préfère les lunettes de snipe. Y'a pas photo. Bon, bah j'ai plus de véhicule, mais j'ai bien rigolé. Je vais aller voir la dépouille de son compère là qui doit être en train de. D'être étalé au soleil. Oh oui. À moins que ce soit un morceau de bagnole. Ah non, non, c'est bien le mec. Bien mort comme un caca. Oh la vache.
Oh, oh, oh mon Dieu, ça fait peur. Ça fait peur, ayez peur. Voilà. Ah, la machette qu'il a au niveau de la cuisse, le gars. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de matériel non plus. Bon, bah autant l'avouer, là je me sens à poil parce que, à part mon lance-flamme, j'ai plus rien. À part mon lance-flamme, j'ai plus rien. C'est Poco, il n'y a rien, c'est Poco. Je vais bien tenter d'aller voir, mais j'y crois pas. Et puis c'est un site industriel. Ah, remarque. Vas-y voir que je sorte la longue vue. Ils ont un véhicule. C'est pas inintéressant. Ah bon, il y a 4 mecs. La malaria qui commence à faire suer grave. Pas un tonneau d'explosifs que je pourrais m'amuser à faire péter. Oh, c'est d'un ennui. Oh. Ouh, ils ont du matos là-bas. Oh, ils ont du matos. Je le vois. C'était... Alors moi j'arrive à le voir, mais le jeu refuse de me le... de me l'enregistrer. C'est quand même fou. Ils ont pas un truc d'explosif où je pourrais mettre la panique? Merde, je me fais déjà tirer dessus. Qui c'est qui m'a repéré? Surprenant. Aïe. Quoi, là-bas? Il y a un snipe là-bas qui me voit. Alors là, je suis bluffé. Ils ont tout, ils ont des munes, ils ont des bagnoles. Merde, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas si ça a des... Je pense pas, c'est trop loin, ça a des... Non, ils s'en foutent complètement. C'est lui là-bas. Putain la vache. Je vais tenter une approche, on va dire, féline.
Oh, la cour. Merde, tu veux ? Ça crame vers nous ! Ouais, faut pas que je me mette au milieu du grillage. Cramer ou crotte? Qui a pété, je sais pas ce que c'était. Wow, il y en a des choses ici. Ah ouais, si ça compte pas. Oh, je suis déception. Africa Telecom.
Non, il me le refuse. Oh, on le voit qu'il y a un truc. C'est quand même terrible. Qui est en dessous, mais... Comment je fais pour l'allumer? Je lui tombe dessus? Où est-ce qu'il est passé, le gars? Oh, la malaria qui fait suer. Non, pas ça. Sérieux, il est passé où le gars? Je crois que le mec était sous le bâtiment tranquille. Ou alors j'étais victime d'un bug. Et moi là, je peux quand même dire que j'ai vu le truc, non? Ah non, ça compte pas. D'accord, c'est pour lui. Ah bah non, je l'ai déjà en fait dans la carte, d'accord. Je préfère ça. Je préfère ça. Bah, il y a eu un bug. Où est passé le mec? Il a pas pu se volatiliser. Ah, le v'là. Oui, tu parles, ça va alerter personne, c'était le dernier survivant de la zone. Mais je comprenais plus, moi. Bon, on est d'accord, il n'y a plus de diamants dans ce... Hein? Là, j'ai des petits cadeaux qui m'attendent, à condition de péter quelques planches. Merci, c'est apprécié. Surtout que c'est pour le snipe. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon bah après je pense pas qu'il y ait... Ah ouais qu'ils ont fermé la frontière. Je pense pas qu'il y ait de meilleurs matos à droite à gauche. Bon là je peux avoir de la vie à donf. Ça j'y étais. Non mais c'est bon, je vais pouvoir me barrer. Hein. J'ai pillé l'endroit.
Alors, observons la carte. Ah, oh, je suis peut-être allé à l'armurerie proche. Ouais. Allez, je vais leur shipper leur véhicule et je vais me barrer. C'est pas le poste frontière qui va me faire gagner la guerre. Mais bon, vous répondrai-je pas encore. Pour ceux qui connaissent pas le scénario de Far Cry 2. Le mec a un lance-roquette, il a voulu m'allumer, mais ce con s'est tiré dessus. D'accord. Ok, tout va bien. Jusqu'à l'armurerie toute proche. Jusqu'à l'armurerie toute proche. Ah, mais qu'il est... J'ai pilé, hein, je suis désolé. Quick. Quick. J'ai du dur. Sans mieux une fois sorti de l'armurerie. Alors j'ai plus besoin d'explosifs par contre. Oh, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que c'est drôle ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mes muses avec ça. Que je change un peu. Attends, elle est où ma cible? Pardon, je fais des bêtises. Ah, elle est très très loin ma cible. Elle est tellement loin que effectivement ça vaudrait le coup que je prenne le bus. Ou alors je vais à la chasse au diamant. En y allant sur la route. Merde, oh, je sais plus jouer, excusez-moi. Mais je vais peut-être aller à la chasse au diamant en même temps. Ça pourrait s'avérer être fructifiant. Excusez-moi, je vais devoir me rincer la bouche, j'ai un abruti de pause.
J'ai pas vu en buvant mon café à la surface, j'ai un abruti de moucheron qui allait se noyer dedans. C'est dégueu d'avoir un moucheron au fond de la gorge. Je reviens. 2 minutes, pardon. Ouais, ça fait des protéines, m'en parle pas. Excusez-moi, me revoilà. Oui, j'ai perdu mes oreillettes. On va dire c'est les plaisirs de l'été. Mais il est vrai qu'en Lorraine, j'ai eu des témoignages dans ma famille il y a plus de 15 jours de ça, qui me disaient eux-mêmes ils ont des soucis avec les moucherons. Alors, il y a des étés, ça dépend. On a les mythes, parfois on a les frelons ou les guêpes. Et cet été, c'est un été à moucherons. Ce qui est pas plus mal parce que c'est le moins dommageable, j'ai envie de dire, on va dire des sursauts de la nature. Mais c'est vrai que cet été, faut vraiment bien gérer le moins de déchets. Les poubelles, n'en parlons pas, c'est des nids à moucherons. C'est la folie. Voilà. Pas de diamant dans cette casse-bas? Oh, ça m'étonne. C'est si beau. Allons voir. Oh, bah alors, c'est un ancien village.
pas de diamant qui... Oh... Regarde-moi chat comme chez Bao. Ancien village traditionnel africain. Bon, le pauvre, il a été détruit en partie, mais... Ah oui, ils avaient un lac et puis ça s'est séché. Ce que la narration suggère. Même là, il pourrait y avoir une mallette dans les rochers. Non, il n'y a rien. Ça, c'est fou, ça. C'est fou, c'est fou. Voilà, je vais repartir avec la véhicule. Alors, où est-ce que je voulais aller déjà? Je vais aller par là, parce que visiblement, je... En plein désert, il n'y aurait pas... Il n'y aurait pas des diamants. J'ai envie de couper vraiment au bout du truc. Oui, donc j'essaie de reprendre... Bah tiens, j'avais déjà un autre moucheron qui escaladait mon... Lui, il est débile. Non, lui, il est débile. Bref. Oui, je viens en paix, laissez-moi vous pacifier. Ouais, c'est ça, Devil Olive, bonjour. Alors, là, l'IA, elle a bugué, là... Je pense pas que le gars venait me serrer la main pour traiter de la réédition, enfin bref. Ou signer un armistice, mais non, bref. La première fois que ça m'arrive. Bon bah ça rôtit bien. J'ai bien tiré ma grenade. Hein. Wouh! C'est beau! C'est le code de la fouille. Oula, le tonneau phare le pousser là, ça a pété. Ça a pété. Attends, je vais peut-être sauver un véhicule. Ah, les diamants sont proches. Voilà. Là, à mon avis, je sauve le véhicule. Alors, il y avait des diamants dans le coin. Possiblement sur le toit. Je pense qu'il y aurait une mallette sur le toit d'une casse-bas en dur, que ça m'étonnerait pas. Comme là-bas, par exemple.
D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, mais il y a peut-être une échelle. Il aurait pu y avoir une échelle. Ah. J'ai pas la santé au top, donc je peux voir un peu de flotte. Ah. C'est apprécié. Ah, ça aussi. Ah bah c'est bien, j'ai refait plein de matos. Attends, où serait la... La mallette au diamant. Tiens, c'est pas elle. Ah non, c'est une poutre, ça. Je pressens qu'il y a, il y a une gymnastique à faire. Ouais, non, là, je peux pas. Ah. Extraordinaire. J'aurais vraiment fait le plein de tout. Attends. La mallette serait là. Ah, on entend. Elle serait dans le bâtiment. Ouais, attendez. Faut réaliser une petite cabriole de cascadeur là. Voilà. D'ailleurs, ça fait silo à grain. C'est un silo à grain le machin. On dirait des grains de poivre. Et là, il y avait quoi? Ouais, non, c'est encore des... Bon, bah c'est bien, mission accomplie, je vais reprendre un véhicule. Attends, du coup, j'ai le lance-flamme. Ah oui, je suis vu là, je peux foutre le feu. Deuxième service. Je fais mon pyromane. Ouais. Alors, boum ou pas boum? Ah. Je le savais. Aïe. Ah, la physique du jeu est irréprochable à ce niveau-là. Le feu se propage très bien. Bon, allez, suite du massacre, oserais-je dire. Alors là, le relief va vraiment poser problème. Oh non. M'attendez pas à tomber sur une patrouille mobile. On a le village qui crame. Je peux dégommer le panneau. Ah, je pensais que 2 balles auraient suffi. C'est plus solide que ça. D'où ils viennent? Je les entends, je les vois pas. Ah! Ah bah bravo, ils m'ont eu. Ok, donc au moins je sais d'où ils viennent. Désormais. Ouais, la pote patrouille.
je vais les appeler. Voilà, j'ai mis le titre sur le panneau. Oh les gars. Ah non. Alors gauche ou droite? Ah. Oh là là, les snipes! Ho ho ho! Ou alors, même technique, hein? Celle du pyromane fonctionne pas mal. Hein. Je fous le feu à la cambrousse, c'est le temps qu'il passe la manœuvre. Hein. Pendant ce temps, le village a fini de cramer. Ah oui, ils sont bien morts. Et toi comme arme? Je vais faire un petit test. Il y a plusieurs. Il y a différents types de canons hein, sur les véhicules. Non, c'est la super mitraillette ça. Mais c'est vrai qu'elle fait des dégâts, elle est à balle perforante celle-là. Bon, alors. Oui, je pourrais aller en face voir s'il n'y a pas de diamant. Le radar qui s'excite au niveau des malades de diamants. Bon, là-bas il y a un plan de repos. Plus à trouver de la fumée. C'est con ça, faut que je fasse gaffe au relief. Alors rien au niveau du radar, c'est d'un calme plat. C'est cool ça. Je vais me diriger tout doucement vers ma cible, hein. On est en mode babacou. C'est scandaleux, ils m'ont trucidé. Donc, si je pars dans l'autre sens. Ah non, pas plus, ce serait beau que je coupe par là-bas. Oh, il y a du tonnerre. C'est fou, ouais.
Ça fait 3 jours d'affilée, il y a de l'orage chez moi. Ça n'était plus arrivé depuis des années. Oh merde. Ah, c'est pour moi et pas pour le véhicule. D'accord. Merde, il y a un excité qui arrive. Hop là! Ça, c'est une belle esquive. Mais à mon avis, l'esquive va pas durer. Si j'essaye. Joli! Ça fout le feu à la cambrousse de faire péter les. Ah, j'ai du mal à les avoir à l'origine, mais. Ah, j'ai abattu le tireur. Eh ben, ça va bien foutre le feu partout. Bravo. Visiblement, ça n'a pas suffi. Citadine, ça faisait longtemps. Alors si là vous avez pas entendu le tonnerre, avec le lance-roquette. Mon véhicule de tout à l'heure, c'était... C'était ça. Ah oui, ça met son temps. Qui c'est qui me tire dessus comme un dératé? Ah, lui. Tiens, attrape! Oh, bien joué! Attrape ça aussi! Oh, j'ai plus de joujou! Ah, du coup, mon véhicule est intact. C'est incroyable! Même leurs roquettes sont de mauvaise qualité. Oh, y a plus de joujou! Il aimait bien le yo-yo. Incroyable. Il y a presque comme une aura de protection pour la Jeep. Ou alors, je ne sais pas, mais il y a un brouilleur électrique installé à bord. Et c'est pour ça que les roquettes n'atteignent jamais leur cible. Ce serait stylé, hein, c'est possible. Ça se fait évidemment d'un point de vue militaire. Ah non, pour lui, j'ai pas récupéré de roquette. Dommage. J'avais encore envie de faire l'idiot. Sniff. Alors, là-bas, il y a des belles choses à voir. Je vais y aller à pied. Encore que... Le jeu me fait mentir. Je
C'est un baobab. Le baobab maître. Il n'y a pas de diamant. Faction, c'est pas possible. Ah, mais la bataille est là-bas. Ils m'ont repéré, ça y est. Ah merde, il y a un tireur de mortier. Oh, chiant. Oh, c'est superbe. On sert à rien ici. Si quelqu'un a lancé une attaque là-bas, il y a des alliés. Il y a un mec qui tire au mortier. Tire le bord. Pourquoi on est coincé ici? Il manquera le ghetto. Ces gars ont besoin d'aide. Oublie, c'est ce qui est prévu. On garde la rampe. Non. Là, 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 il y a trop de. Il y a trop de snipes. Bref, c'est pas tout de visiter le village qui est superbe, mais il n'y a pas de diamants, ça me rend fou. Il n'y a rien de rien. Enfin, visiblement, le diamant, je l'ai déjà eu. Et si je vais à droite, derrière le baobab. Pardon. Et là, j'arrive dans la flotte. Oh, j'aime beaucoup. C'est joli comme tout. Ah, il faut qu'il balise un chemin de randonnée. C'est obligé. C'est trop beau par ici. Ça me donne envie de me promener. T'as rien de lien? Y'a rien de rien. Oh, oh là là. Ah, ils ont bien bossé. Hein. La modélisation, y a pas à dire. Je sais pas ce qu'il faut. Attends. Hop là. Aïe. Je suis foulé la cheville. Waouh. Vache, le jeu de lumière, il y a un contraste. Où sont tes oeufs? Tu prends comme ça. On fait une parodie de la pub Tahiti Douche. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, c'est ce genre de relief qui peut sembler inintéressant au premier abord. Je serai graphiste, modélisateur des lieux en virtuel. Je m'amuserai à faire un truc planqué, mais un message à destination du joueur. Genre une fausse pierre tombale en disant vous êtes malin d'être venu venu jusqu'à ici. Puis éventuellement donner un petit bonus, je sais pas. Peut-être une arme classique, mais vous savez, avec une décalcomanie, une déco exclusive. Bon, visiblement, c'est dommage, il n'y a rien. Mais l'endroit... Alors, bonjour les roches dans la tronche. Mais... on va dire le temps d'un pique-nique. Pourquoi pas. Au frais, en plus. Quand le soleil tape.
Ah là 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 là. Vraiment rien. Ah, je pensais qu'il y aurait une mallette avec des diamants au bout, même pas. C'est fou ça. C'est fou, c'est fou. Il ne comprend pas. Là, 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 là. Je crois savoir qu'elle est fraîche. Ou alors ils avaient une idée, ils n'ont pas eu le temps. Comme dans pas mal de jeux vidéo au niveau des délais de développement où ils sont à couteau étiré là, où c'est... Ouh. Oh, il est chiant avec son mortier. Ah, c'est vraiment une place forte, le village historique. Bon, moi je me dirige en direction de ma cible. Oh, ce paysage, ah, j'adore. En plus, le parcours me rappelle un peu une course qu'on fera plus tard sur ma chaîne dans le simulateur automobile Toka. Le 2. Toka 2. Oh, mais c'est un cocher qu'on voit ici. Waouh. Ah, j'ai vu sur Cefapane. Là où est ma cible, en fait. La bonne blague. La bonne blague. C'est trop beau là aussi. Eh, ça fait pas carte postale. Est-ce que d'ici j'arriverai à voir ma cible? Oh, ça m'étonnerait. Oh, ma cible doit être planquée dans l'église. Pariez combien que ma cible est dans le clocher? Je vais laisser le véhicule là, je vais y aller à pied. Voilà, d'ici on a la rue principale. Et le mec, il est hostile ou pas? Non, je pense pas, c'est un vigie neutre. C'est un vieux fermier qui fait du manioc. Le vieux, on avait une caisse planquée dans son coin. Chocolate Surrens. Eh ouais, celui-là. Je lui ai dit qu'il pouvait les récupérer s'il arrivait à me remonter. Mmh. Ma cible n'est pas dans l'église. Ma cible est dans cette casse-bas. Alors, ce qui est stylé, vous voyez, c'est de passer juste à côté de la cible, voire carrément lui serrer la main, c'est le mec en cravate. Et si à distance, je peux le faire péter, c'est tout bénef. Putain, c'est sympa, on peut se servir. Il y a des réserves de vie. Monsieur vend des kebabs à côté du marché? J'ai entendu ça. J'aurais pu ramener toutes les merdes qui m'ont filé aussi. Ah, d'accord.
Attends, du coup, je vérifie s'il n'y a pas un truc caché. Ah. Attends. Ma cible, elle est où? Je crois que va y avoir du jus de... Bah tiens, ma cible est là. D'ailleurs, c'est idiot, mais... Non, je vais prendre la machette. Ah, je l'avais déjà... Ok. Ça peut être très drôle comme, comme résultat. On leur fait tomber le tonneau d'explosifs dans la tronche. Doucement. Je pense pas qu'il va exploser en tombant. J'espère pas, parce que sinon je retombe sur moi. Sacré les connards. C'est sûr. Sacré les connards. Je crois pas. Bon, à moi, tu t'en rappellerais. Ces bêtes deviennent folles quand tu leur montes dessus. On fait des paris. Il y a $3000 pour le premier type qui tiendra 10 secondes. Peut-être toi, va savoir. Faut aller minutieusement, mais je crois que mon plan peut fonctionner. Attends, je le pousse un peu vers là parce que le gars est plutôt par là-bas. Voilà. Oh, merveilleux. Je ne pouvais pas faire mieux. Hop, je descends par la façade. Touk, touk. Cette agilité. Voilà, allez, je m'en mets plein les fouilles. Oh, ma victime. Ah oui, qui fait son rapport. C'est ça, ça s'en dérange certains. Oh, bah tiens, j'ai deux tonneaux pour le prix d'un en plus. Les sacrés déconneurs. C'est sûr. En fait, c'est bourré d'explosifs, hein, quand on y regarde. C'est bourré d'explosifs. C'est rigolo de voir les animations quand ils sont en paix. La 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 la. Très bien. Magnifique. Alors. Pardon, je vous ai bousculé, monsieur. J'étais pas chouetté. Alors, on va aller sur les hauteurs du village. Histoire que le haut du train peut suffire, entre nous. Attends, je peux pas monter sur le train? Oh, c'est con, ce serait... Ça me plairait. Attendez. On va jouer au crime était presque parfait. Et pas de diamant d'ailleurs. Attends, faut que je vérifie, mais... Non, pas de diamant. Oh là là, ça ne cesse de tonner. Mon dieu. Et j'aurais passé une semaine spéciale orage. Qui l'aurait cru? Attends, mais il va effacer les tonneaux là, je vais trop loin là. Je finis par douter d'ailleurs. Je suis en train de longer le truc, j'essaye de l'escalader, mais... Mais visiblement, j'ai pas le droit. Non, bah je vais revenir sur le village, là, je fais l'idiot, là. Mon plan, là, je le... Je suis en train de le faire capoter par bêtise. Remarque, j'ai des grenades. Bah oui, une bonne grenade, ça suffira. Bien visé, je vais avoir ma cible, non? Ce qui est un peu... Ah oui, si j'ai un véhicule là-bas pour me barrer. Bon, là, il y a un mercenaire, donc il va m'allumer. Il y a quand même pas besoin que je rappelle les règles, si. Oh, le mec est pas à côté. Hein. Oh non, ils m'ont réinitialisé mon truc. Ah merde. Bon bah tout ce que j'ai fait n'a servi à rien.
Mais en fait, l'idéal, c'est de faire ça. Hop là. Merde, il est pas mort. Mais c'est pas mal, se planquer derrière les wagons. Mais ma cible est toujours en vie. Ils sont pas cons. Attends. Est-ce que je pourrais l'avoir, la grenade? Ce serait énorme. C'est bon, on peut rien faire d'ici. Non, ça marche pas mon truc. La cible est pas débile à ce point, mais. Ou alors, je reste sur le toit où j'étais. Tiens, attrape. Finalement. Faut pas que j'aille chercher midi à 14h. Oh, il y a un véhicule là. Ça m'intéresse. Et du coup, ça flambe ou... Ah oui, ça flambe complètement. En fait, la ville est en train de prendre feu. Bon, bah, on va attendre que ça cuise. Et puis, quand ce sera à point, je me barre. Hein. Il tire pas. Parce qu'il est pas sûr que ce soit moi le fauteur de trouble. On vient d'homme. Je sais pas. 2, 3. On sort, faut que j'y aille. Je sais. Mais on peut pas se faire planquer. Mais ça va péter. Hein. Ah, là, si j'aime bien, on met en lumière la physique du moteur de jeu. Surprenant que c'est pas pété, vraiment. Là, j'ai mal visé. Et là, est-ce que l'incendie prend? Hey, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, non, mais c'est pas bon. Qui est là-haut? Ah, derrière. Il est au courant pour Steve? Il s'est tiré une balle dans le pied hier. Il y a qu'à espérer qu'il tire dans la tête la prochaine fois. Oula. C'est rigolo. C'est rigolo. Bon, j'ai perdu mon véhicule de fuite, c'est pas grave, on chargera la partie, mais... D'ailleurs, même là-bas, c'est un côté.
tu parles? Oh, ça prend pas, bah alors. Oh, ça prend pas du tout. Je suis déception. Oh, remboursé. Alors là, c'est bon. Sniff. Sniff, sniff, sniff. C'est horrible de balancer un cocktail Molotov devant un parvis d'église. J'ai honte, j'ai honte. Alors ça c'est sûr. Ça y est, j'ai plus de projectiles. Le conduit nous ramener des pierres alors. Des pierres, des ouais. Alors, je cherche. Ah, t'as les pépettes, mec. Je vais planquer les pépettes, tu vas voir. Cool, mec. On est dans la même galère. Mais non, mais. Oh, je redescends au sol comme si j'étais le. Je deviens l'ennemi public numéro 1. Ils ont pas vu que c'était moi. Ils ont pas regardé sur le toit. Je conteste. Tiens, attrape. Oh, sur sa tête. Hop là. Ça, c'est du saut. Hop. Et l'alerte a pas été donnée. Et le mec est mort. Oh, j'avais pas vu. Vous avez vu ça? J'ai des postes de contrôle que j'ai pas revendiqués. Bah, ça m'étonne. Bah, je croyais que je les avais tous. Là, j'ai mis un bug dans la sauvegarde ou c'est moi? Ah oui, dis donc, vous, la priorité à droite, et oh, va mourir. Ah, bon, on est morts tous les deux. Monsieur va arriver, c'est moi qui vais le saucer. Ou pas. Bah alors. Bizarre autant qu'étrange une nouvelle fois. Ah oui, peut-être que j'atteigne le carrefour, j'admets.
J'admets. Personne? Si, là-bas, je vois un truc bouger. Ou alors c'était un animal, mais... Bof. Bof. Attends, je vais me mettre sur la voie ferrée, ça sera bon. Et ben voilà. Là, c'est rigolo. Bien allumé. Ça me fait quand même 5 tireurs. Alors pour résister à ça, c'est un peu dur. Mais c'est pas impossible. C'est un beau défi. Et visiblement, je l'ai relevé. Merde. Il m'a fait peur, ce con. Bon, je pense qu'il n'y a plus personne. Eh ben... Ça en fait des moteurs qui fument. Allez, un petit coup de lance-flamme et puis ça va bien. Ah oui, ça va bien cuire tout ça. Oh là là. Alors avant, je fais mon magasin. Voilà, ça c'est apprécié. Donc attends, c'est un poste que je vais revendiquer ou je l'avais déjà revendiqué? Non, celui-là je l'avais déjà revendiqué. C'est hyper rigolo. Mais alors attends, je vais me soigner, je prends la trousse à pharmacie, c'est offert par la maison. On va pas s'en plaindre. Là, il n'y a rien d'autre. Pas de diamant. Pas de matos non plus. À part un truc d'explosif à la noix là. Que je vais également... Ah non, je peux même pas le ramener celui-là. Oh, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà. Ça va bien péter. Ça va bien flamber. Moi, je vais réparer la mienne. Encore, je trouve que ça flambe pas super bien, mais bon. Hop, je m'enfuis un peu. Il faudrait que j'aille par là-bas. Là. Alors, bah,
Je peux plus monter dans le véhicule. C'est quoi ce délire? Ah non, tous les véhicules n'ont pas pété. Vraiment? Ah ouais. Bah, il y a un côté hasardeux. Oh non, mais je sais pas viser. Oh nul le mec. Je m'en... Alors là, j'ai perdu deux grosses munitions. Parce que je suis pas foutu de savoir viser. C'est quand même terrible. Oulala, ça va flamber sur une distance complètement folle. Oh, le feu de brousse! Il est beau celui-là! Oh la vache! Putain, il y a même des trucs qui volent. Refunfan! Alors que j'ai l'orage hein, chez moi, Funfan. Un orage léger, mais j'ai le tonnerre encore. Semaine très spéciale pour moi. Bon, là, je vais m'avancer. Bonjour Aeroster, comment que ça va? Ah, ça me fait plaisir d'avoir ton coucou. Oh, attends, c'est quoi ça? Il y a de la vie là. Ok. Je viens de me faire liquider alors que j'ai même pas vu le mec sortir de son bosquet. Cher confrère. Ça va tranquillou, merci. Bah écoute, moi j'ai le plaisir d'être en jour de congé à pouvoir faire mumuse, ça fait beaucoup de bien. Donc je vais pas me plaindre. J'espère que tous ceux qui ont été de passage sur ma chaîne depuis tôt ce matin, ça allait bien. Évidemment, c'était le cas. Hein. Je pense à la Jed et à Devil Live. Que belle allée. Merde! Oh, je me trompe de touche. Il est où le mec?
Le monticule de déchets. Oui, il est où le gars? Bizarre. Je soupçonne un truc là-bas. Je soupçonne même du diamant dans ce jar d'épave. T'as entendu? Ah! Allez, c'est l'heure de l'entraînement, allons-y! Ah! Ah oui! D'accord. Ah, c'est bien que j'entends des voix. Ah ouais, planque débloquée. Bah, je crois que c'était déjà le cas. C'est bizarre. Oh, il y a des choses à faire dans le coin. Bon, je vais faire un super demi-tour. Hein. Je me disais bien qu'il y avait un truc. C'était trop suspect. Surtout indiqué par un feu de camp. Sur l'épave du bus? Non. Ah non, c'est une cassette du chacal. Hier, j'ai vu un gosse au bord de la route. Il avait peut-être 17-18 ans. Il portait un fusil à pompe à l'épaule et il y avait un soldat de la PR. Il y a un bug. Tranché à côté de lui. Une paire de bastos de calibre 12 lui avait littéralement arraché le buffet. Le gosse tirait sur la jambe du type pour lui piquer ses bottes. Il avait l'air crevé, il avait l'air abîmé, épuisé. Vieux, un gosse de cet âge-là devrait pas avoir une tête pareille. Il y a un bug parce que vous avez à chaque fois la même séquence du chacal, ce qui est totalement anormal. C'est dommage. Je me fais le jeu que j'adore pour la troisième fois. Et il faut que pour cette troisième fois en direct, j'ai un bug de... Ah, il y a une cassette et une mallette. La classe. Il faut que j'ai un bug au niveau des cassettes du chacal. On entend à chaque fois le même enregistrement. Alors qu'il y en a 7-8, et ils sont tous poignants, quoi. Parce que la tonalité veut que dans ce deuxième opus, ce soit cru. Et que ce soit... Je pense vraiment que le scénariste s'est inspiré d'authentiques récits de vrais mercenaires. Je pense. Parce que dans les cassettes qu'on n'a pas entendues, il y en a une moi qui m'avait marqué, c'est quand ils disaient ils font passer la drogue en. Ils font passer la drogue au niveau des frontières. Hein, en mettant les paquets dans les cadavres. Et en fait, personne ne va soupçonner le cortège de croque-mort qui est en fait une planque pour drogue. Alors je vous retranscris mal, mais dans la narration qui est cinglante, crue, c'est poignant. C'est... Là on entend toujours la même cassette avec le coup du gosse qui paraît vieux parce que il est condamné à être mercenaire malgré lui, sa jeunesse lui a été complètement volée, pour ne pas dire violée. Bref. Ah, oh, c'est dommage. C'est dommage. Oh, il doit bien y avoir un site internet qui fait... qui a dû compiler toutes les bandes son du chacal, parce que... À l'occasion, si je tombe dessus, je vous mettrai le lien sur mon Discord. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Discord, faites gaffe. Hein. Il y a un loustic qui aurait mis la main sur la base de données Discord avec tous les comptes, toutes les coordonnées. Et moi, j'ai eu mes premiers soucis avec un compte de ma commu qui a été piraté, avec un billet frauduleux et un lien tout aussi frauduleux. Il ne faut surtout pas cliquer. Il y a je sais plus qui aussi qui a eu des ennuis ces dernières heures. Bah, je crois que c'est Christella. Si vous n'avez pas changé votre mot de passe de compte Discord pour le mois d'août, je vous invite à le faire. Alors, j'ai pas l'info strictement comme quoi les mots de passe auraient fuité, mais principe de précaution.
Non, ne me dis pas que la mallette de diamant est dans l'arbre. Oh la vache. Ouh là là. Attends, il y a une planche, il y a un truc à faire, regarde-moi ça. On voit le tronc suspendu. Ouh là là, les diamants là, ils se méritent. Les diamants là, ils se méritent. Ça va. Il aurait pu faire quelque chose de plus tordu. Mais 3 diamants. Oh la vache. Ah ouais, sympa. Ça fait une position de sniper. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Et là, il y a une planque que j'ai pas déverrouillée. Ouais, mais les moustiques, je les vois pas. J'attaque à la... Je peux, hein. Je sais pas si mon tir a été efficace. Ah, planque débloquée. Mon tir a été efficace. Nickel, nickel. J'ai gagné une planque. J'ai zigouillé tous les loustiques. Oh non! J'avais pas assez de profondeur! C'est quoi cette animation de mort? Oh, c'est génial! Oh, c'est la première fois que je l'ai, l'animation de mort. Enfin, sous cette forme-là. Putain, c'est fou, ça! Bah, ça semblait profond comme rivière. Trop étrange. Trop étrange. Ah, attends, si, le mec, on le voit. Mais oui, le mec, il est là. Ah ouais, y a qu'un gars. D'accord. Il suffit d'abattre le mec et bingo. La planque est à moi. Tranquille. Non, sérieux? Bah, là, j'ai réussi mon saut. Ou alors j'ai eu le malheur de tomber sur le seul petit rocher qui dépasse de la du fond de la rivière et je me suis... Hein? Bon. C'est... troublant. On va le qualifier ainsi. Ah, c'est une double casse-bas. C'est une double casse-bas. C'est une radio qu'on entend. Ouais, visiblement il y a une radio dans le. Par ici. Okay. Oh c'est pas de problème. Tu veux que je traîne dans ton coin au cas où il se passe quelque chose? J'avais oublié que j'avais des partenaires. Bah alors. T'as pas besoin de mon aide. Bah écoute, c'est toujours apprécié, ma grande. Sur moi. C'est toujours apprécié. Ouais, il va pécho. Qu'est-ce qu'elle fait? T'as pas besoin de mon aide. Ouais, on capte mal ici, hein, ma grande. Ah là là, je ne me lasse pas de l'ambiance africaine. Alors, attendez, que je réfléchisse. Ah, je pense que je vais faire. Oh, ça, c'est génial. J'ai des missions secondaires, là. J'ai les pylônes, j'ai le bar des mercenaires à l'opposé de là où je suis. Et j'ai les missions armes. Ah, oh, c'est magnifique d'avoir le choix. C'est magnifique d'avoir le choix. Qu'est-ce que je fais? Je repars sur le fleuve, je rentre à Sefapané avec une bagnole. C'est pas pour me déplaire comme scénario.
Attendez voir la carte. Ouais, faut que je fasse demi-tour à partir d'ici. Alors, je privilégie la voie fluviale parce que c'est une zone que j'ai mal faite et je soupçonnerai la présence de diamants. Bah écoute, je vais m'attaquer. Mais non, oh, je me suis bourré de couche. Faudra que j'évite de mettre la touche lancée de projectile avec la touche saut juste à côté. Parce que j'ai souvent le doigt qui rip, qui dérape. Tiens, je me souvenais pas que c'était fermé comme ça. Bah. Bah oui, vous êtes pas sérieux les gens, arrêtez. Au moins que les piétons puissent rentrer. C'est pas comme si on pouvait se servir en mule. Oh, munition. Alors, Delta Clean, Post Office, Calling Core, Défense, Charging Stand. Eh bien. Non, moi, ce que je veux, c'est une voiture et remonter jusqu'à l'armurerie. Bah tiens, il y a une pharmacie pas loin. Je vais me soigner de mes anneries et puis je vais profiter de la pharmacie. Lui, c'est dans le bâtiment, je crois. Pardon, je vois. J'ai failli renverser les gars. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà. Alors, moi, ce que je veux, les gars, c'est une tuture. Attention ! Si l'un d'entre vous pouvait me céder des clés de bagnole, je suis preneur. Ah bah tiens. Tu vas pas dans la bonne direction. Tu recules, bordel. Dernier avertissement. C'est là. Ça, pauvrage. Mais hé hey. Depuis quand les bagnoles sont réservées? Oh. Oh mince, j'en avais une petite citadine à l'entrée du village, j'avais oublié. Bah sans encombre, c'est vite dit. Je croyais que c'était en libre service, moi. Bon, j'avoue, j'ai été un peu naïf. Mais bon. Donc du coup, j'ai perdu le gain de mon soin. Bon, crotte. Allez, on va aller... Attends, je relise bien la carte. Oui, on est d'accord. La voie ferrée mène à la planque d'armes. Donc je vais aller sur la voie ferrée. Voilà, tchou-tchou, c'est moi le nouveau train. Tchou-tchou-tchou. Ça fait péter les rails. C'est dingue. Bah oui, c'est sûr, avec un tel barrage. Fallait composer avec le barrage. Ah bah tiens, le jeu a craché, je crois. Ah non, c'est ma coéquipière. C'est vrai, j'ai demandé le joker. Ah, merci ma grande. J'avais oublié. Oh là là, bah c'est bien. Ça change un peu. Elle arrive à se les faire tous. Si c'est le cas, elle est fortiche. Ça suffit. Oh, quelle horreur. Non. J'en ai vu au moins deux de plus.
Vérifie ton équipement. Ta blessure est moche. Soigne-toi. Me suis soigné. Ah, j'ai perdu mon lance-grenade au profit d'un 9 mm. Pourquoi pas. Attends, il y a du monde là-bas. Merde. Évidemment, j'ai le flanqué. Eh, c'est bien, nous a planqué derrière des rochers. C'est très très bien. Putain, mais il y en a de partout. Là. Attends, il y en avait un qui était par là-bas, mais je pense que j'ai perdu sa trace. Ah non. Et bah il a bien fait de bouger parce que j'étais parti pour la ligne au bas. Non, lui il abuse. Ah. Magnifique. Donc là-bas je pense avoir pacifié la zone. Je dis bien je pense. Projectile. Oh, un petit molotov, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Ça va bien désinfecter la zone. Elle est où, ma coquille pierre? Elle a pris ses quartiers? Ah non, t'es là. Je pense... Non, mais va pas vers les flammes, ma grande. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce que t'as vu? Pourquoi tu tires? Un tir de sommation. Oh, bah, te mets pas devant mon flingue, malheureuse. C'était un tir de sommation ou... Bizarre. Là-bas, il y a des animaux pépères. Les zèbres ou les okapis. Et je ne sais plus. Bon, bah, merci, ma grande. Tu m'as été d'un grain, c'est cool. Oui, bah, je suis plus très loin de la planque d'arbres, je vais y aller à pied. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas tenu un 9 mm une arme de poing dans les mains. Tellement habitué à avoir de l'artillerie lourde. Oh, tu parles. Oh, le barrage. Ah, ils m'ont bien eu. Ils m'ont bien eu. Salopard! Oh là, t'es. Quoi? Des tirs. Où ça? Encore? Hop! Attends, qu'est-ce que je vois là-bas? Ah oui, c'est un mec. Bien vu. Elle l'avait vu aussi, ouais. En même temps, le gars, il est un peu con parce qu'il court dans la cambrousse avec un magnifique t-shirt blanc, mais blanc pétant. Le mec en mode, m'as-tu vu? Attends, 10 explosifs. Oui, non, ça c'est pour le feu d'artifice cadeau. Je repars avec une bagnole. Alors, si vous n'avez aucune mission en cours, le vendeur d'armes de l'armurerie vous proposera ses missions. Elles vous permettront de rendre de nouvelles armes disponibles à l'achat. Vos prochaines missions débloquera les armes suivantes. Le SAS 12 et le lance-roquette Carl G. Un lance-roquette, c'est terrible. C'est terrible. Regardez qui est de retour et juste à temps pour parler business. Voilà la situation.
Un convoi d'armement arrive bientôt par le sud-ouest. S'il est mis hors jeu, de nouveaux produits vont être disponibles pour mon établissement. Vous me comprenez ? Mmh. Vous êtes un homme qui voit loin, je le savais. Ah oui, il me manquait une... Mais d'ailleurs, est-ce que je peux pas acheter des trucs ? Parce que j'ai comme des diamants, merde. Avec tout mon... Hein ? Mon bazar. Eagle peut être pas mal. Redoutable, désert Eagle. Oh la vache. Mon avis, ce serait la dernière mission parce qu'il n'y a rien d'autre de verrouillé. Il y a le super lance-roquette qui est verrouillé. Ah si, il y a le MGL 140 qui est un lance-grenade. Donc il y en aura une deuxième. Bon bah c'est bien. Il y en aura encore une autre derrière celle-ci. Ah, ça fait durer le plaisir. Ça fait durer le plaisir. Allez, je vais m'amuser à honorer cette mission. Et puis après, je passerai à un autre jeu. Je vais essayer Arc Fatalis. J'aurais pas mal de choses à vous dire sur Arc Fatalis. Enfin, pas mal de choses, non. Deux, trois trucs à vous dire sur Arc Fatalis. Alors, attendez. Oh. Ah ouais, là je vais avoir de la route là, parce que si je passe du nord au sud, je vais avoir de la route à faire. Attends, les mecs ils sont revenus ou... Je me méfie hein, du jeu, est-ce qu'il m'a reprogrammé les moustiques ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Joli! Comment je l'ai abattu? Comme un professionnel. C'est ça que beau. Bonjour Torota, comment que ça va? Alors que je crois savoir que l'orage s'est calmé dans ma région là. L'orage de ce matin. Ah bah tiens, il n'est pas généreux parce qu'il y a déjà du monde. Génial, mon arme ne fonctionne plus. Merci de m'en donner une autre. Bah, je suis cerné là. Moi ça va dans l'ensemble, j'espère que tu vas bien Torota. Merci à toi d'être là. Non en fait ma fuite en 9 ans est devenue désespérée. Donc j'avance plus prudemment et plus par étapes. Ouais tu vas bien, c'est cool. J'avance plus prudemment et plus par étapes. C'est chiant parce que je suis en aval, donc ça aide pas du tout. Ah oui, le mec est là-bas. Mais c'est bien, lui, il est mort. Je
sachez qu'il y a du matos par là-bas, donc je peux m'amuser à flamber. Mais non, pas sur la route. Oh, j'ai perdu un cocktail Molotov, là. Il va pas prendre. Et voilà, il s'est déjà éteint. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais, j'étais passé tout à l'heure, je sais qu'ils ont du matos ici, donc... Enfin, où exactement, je ne sais plus, mais je sais qu'ils ont du matos. Oups. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Non mais il est sérieux? Pardon pour l'exécution sommaire, mais le gars il est débile. Bah, j'avais souvenir qu'il y avait un présentoir d'armes dans le coin. Des variantes ou ma mémoire me joue des tours? Merde, oh non, j'aurais dû l'avoir, il était dans mon viseur. Oh. Mais faut arrêter. Oh. Comment que le jeu est abusé par un moment. Oui, oui, attention Discord, il y a un pirate qui aurait mis main basse sur la base de données Discord avec tous les comptes. Donc, mes infos ne me disent pas explicitement que les mots de passe ont été piratés en clair. Sont connus de tous, mais principe de précaution prévaut. Je vous invite, si vous ne l'avez pas changé dans le courant du mois d'août, à modifier votre mot de passe pour votre compte Discord. Parce que y a un risque. Allez, décoincé. Ah là 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 là, il a toujours autant d'humour ce jeu. Au moment où je m'apprête à faire un tir de sniper magnifique, hop, défaillance de l'arme. Ah, je suis vexé de pas avoir eu le mec, j'aurais dû l'avoir. Il était bien dans ma ligne de mire. Joue à la Rambo. Attention grenade! Par là, il y a quelqu'un. Et l'autre, il est où? Je les vois, hein, je pourrais les aligner, mais bon. J'adorerais me les faire aussi par incendie. Que je fasse mon sadique. Là, c'est quoi? C'est un véhicule. Là-bas, c'en est un autre. Ah, ils sont tous là.
Hop là. Il va au véhicule ou pas? Non. Ah. Il y a l'autre qui est là-bas. Tout simplement. Vache, je savais pas que je pouvais faire ça avec le véhicule. Ma cible est encore loin, loin, loin. Ah ouais, tranquille. Deux mercenaires sur le bord de la route à pied. Ah mais j'ai loupé. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Oh, j'ai un excité, dis donc. Qu'il arrive sur moi. Voilà. Y a personne dans la caisse bas de Snipe? Non, je vais aller voir la caisse bas de Snipe alors que j'ai un malaise de malaria. Ah, j'avais déjà fait en fait. C'est beau. Joli soleil. Mm-hmm.
Y en a d'autres? Non, j'ai pas l'impression. Alors du coup, il me bloque la route. Ça, c'est apprécié. Pour un point sur la situation préoccupante dans la région sud de Boaseko, nous retrouvons notre... Il n'y a plus d'infos. Merde! Wow! Je pensais que le monticule de matériel qui était à côté, enfin en face de moi-même, était plus costaud que ça. Je m'attendais pas à ce qu'il arrive à me dégommer avec tout le matos. Alors là, par contre j'ai le doute. Est-ce que j'ai les trois moustiques? Pas sûr. Bon, bah, je sais que je peux attendre quelqu'un. Ah, le blanc. Ah, bah, il sait que je suis là, dis donc. Il savait que j'étais là. Il était pressé de me retrouver. Non, mais c'est complètement craqué à la vitesse à laquelle il arrivait, là. La vitesse Formule 1 pour une Jeep, là, c'est complètement abusé. Oula, attention, il va y avoir du peuple là. Oula là, faut que je me calme moi. Tout le go. Sur la tourelle. Ah oui, il y a du peuple. D'ailleurs. Ah, ils sont bons. Ils sont bons. Deux mecs. Il y a encore au moins deux mecs. Thank you.
T'es passé par là. J'en verrais pas assez à regretter qu'il y ait pas assez de matière inflammable. Ça le part. Et contre qui ils se battent? Bien joué. Doom. Les renforts m'ont eu. Sympa ça. Parce que c'est... Oh non, le jeu a crashé. Bon. Bah allez, on va passer sur un autre jeu. Oui, j'ai comme fait 2h30 de Far Cry. On va passer sur autre chose.